Je vais essayer de résoudre le Ghost Cube sans aide. Ok, d'accord. Ça me gave vraiment là, je... Putain mais... Eh, ce coin là... Oups. Le Ghost Cube, c'est un cube bizarre, avec plein de pièces qui se déforment dans vraiment tous les sens, ce qui les rend difficiles. Je l'ai un peu tourné, ça donne ça, et quand il sera vraiment mélangé, ça sera beaucoup plus compliqué. Alors déjà, il faut que je comprenne comment le tourner, parce que c'est pas si simple que ça de le tourner apparemment. Je galère déjà à le mélanger, donc j'imagine pas pour le résoudre. Je pense que je l'ai assez mélangé, je galère vraiment à le mélanger, donc on va s'arrêter à là. Donc à partir de cet état-là, je vais essayer de le résoudre. Mon défi, c'est de le résoudre sans aide, et si j'y arrive vraiment pas et que j'en ai marre, je vais regarder des tutoriels sur YouTube pour essayer de le résoudre. Il me semble que la méthode pour le résoudre, c'est pareil que le 3x3, mais... Comment tu veux commencer avec ça? Je suis vraiment en train de tourner n'importe comment sans rien comprendre. Ah, je crois qu'il y a un truc là. Non? Je sais pas. Non, peut-être pas, je sais pas. Il y a une pièce qui a pop. Mais genre... Ah, c'est le centre, tiens. Mais comment je sais quel... Ok. Mais du coup, je le remets, mais je suis pas sûre dans quel sens il va. Et genre, à la fin, je me retrouvais avec une pièce retournée, genre... Ah, mais du coup, en fait, j'ai les centres ici, là. Ça, c'est un centre. Ici, c'est un centre. Ici, lui aussi, c'est un centre. Mais en fait, plus je le tourne, plus je le mélange, en fait, je crois. Oh, attends, j'ai deux triangles. Genre j'ai ce triangle là plus lui, et là j'ai un triangle là plus lui aussi. Je sais clairement pas ce que je fais. Hein. Le centre s'est encore barré. Mais bref, on verra à la fin. J'ai un autre centre qui s'est barré. Bon, j'en ai marre. Ça fait je ne sais pas combien de temps que j'essaye de le résoudre, je comprends rien. Donc je vais regarder des vidéos YouTube. 7048, on va regarder celle-là, c'est la plus courte. Donc en regardant 45 secondes de la vidéo, j'ai déjà compris un truc, c'est que chaque pièce ont des autocollants avec des rayures brillantes. Et chaque rayure brillante, elles ont la même direction. Donc en gros, pour savoir si telle pièce va avec telle pièce, il faut que les rayures soient dans le même sens. Est-ce que je vais réussir à résoudre le Ghost Cube? Oups, j'espère que je vais les remettre au bon endroit. Déjà qu'il est compliqué, si je fais encore tomber des pièces et que je les mette n'importe où. Ah. Ok. D'accord. On va essayer de faire ce truc là. Donc, celui-là, déjà je pense que c'est pas le bon et que c'est lui que je dois le mettre. Attends, je l'ai perdu. Oui, mais je veux le retourner lui. Mais non, il dit c'est pas le bon. Alors oui, mais si le centre s'enlève, ça va pas le faire. Ah, mais peut-être je l'ai mis dans le mauvais sens. Mais non, ça correspond pas. Ouais, ça m'a l'air d'être lui. Mais ça va pas si le centre s'enlève tout le temps, là. On aurait dit, mais c'est pas lui parce que les rayures vont pas dans le même sens. Ça me gave vraiment, là, je... What about this one? Going. Putain, mais... Eh, ce coin, là. Arrête de partir. Du coup, regardez une autre vidéo de tuto. I'm not sure what the name for it is, but it's gonna look like... Now, so there's another similar piece like this. Logo. There's another tiny little sticker. Okay. So make... Donc soit lui. C'est pas lui que je veux, parce que lui, il a un truc là. J'avance, hein, j'ai déjà... Lui, c'est mon point repère. J'ai lui qui va là, puis j'ai ce triangle là, il faut que je mette deux trapèzes ici. Ok, j'ai un trapèze là, il m'en faut un deuxième ici. Ok, j'ai fait la croix, donc il y a ça, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. Ensuite, il faudra mettre les coins, comme dans un Rubik's Cube normal. Merde, je me suis trompée. Ce trapèze là, c'est pas lui parce qu'il y a un... Comme m'a dit le tutoriel, en fait, il y a un trapèze qu'il faut pas prendre, c'est quand il y a un petit... un truc flat, un truc plat dessus, et lui, il est trop plat, et en plus... Parce qu'en fait, je viens de voir que les rayures vont pas dans le bon sens, donc il est mauvais, donc c'est lui, en fait, que je dois mettre. Ok, yes. Ok, j'ai fait la croix, normalement, qui est bonne.
Ensuite, les coins. Comment on fait? Correctly, so let's orient it correctly. And okay. Just like that. Donc, hello ma croix, elle est là. Donc ici, c'est un triangle. Donc, tac, 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 tac. Easy. J'enlève mon premier coin avec le triangle. Donc, je dois mettre un de ces deux triangles là ici. Donc, ok. Je voulais pas faire ça, mais je crois que j'ai inséré bon truc. Ouais, ok. Insert it just like that. This is pretty triangular. Ok. J'ai un truc qui ressemble à quelque chose. J'ai fait la première étape, donc j'ai fait la croix et j'ai mis les coins. Donc là, j'ai un petit truc qui ressemble à un petit carré, quoi. J'ai le coin, quoi. J'ai un coin. Move the right up, the, Mais je fais ça, mais j'ai fait tomber tout à l'heure et je suis pas sûre d'avoir bien mis les... sans trop bon endroit. Tu vas me gaver, toi. Je le mets à l'envers, quoi. Elle va me gaver, lui. Bottom left, top right. Okay. That, let's do that. Par contre, j'ai faim. J'ai vraiment faim là, j'ai... Aïe, petite barre crunch. Let's go, on s'y remet. Alors, les arêtes du deuxième étage. Je sais pas à quelle heure j'ai commencé, ça... J'ai posté la story à... Il y a 2 heures. J'ai posté la story il y a 2 heures, ça fait 2 heures que j'y suis. Got another edge piece, this is another edge piece. En fait, moi j'ai en train de me demander si je les ai pas. Parce qu'ils sont tombés tout à l'heure. Voilà. Voilà. C'est ça. Si je les avais fait tomber, et du coup, je les ai inversés. C'est pour ça que ça ne matchait pas. Là, ça match. Tranquille. Voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Je me disais bien, c'était chelou. There you go. Nope. Nope. C'est pas bon. Putain! Mais non! Not here we go. Attends, mais c'est quoi cet algo? Je comprends pas. And there you go. So without. Attends. Je crois que je Ok. J'ai remis la première face comme elle est. Enfin, comme machin. Donc, tac, tac. Il faut que je le change et lui. Ok. Ok. Donc, lui, il doit être. Comme ça. Alors, on était à tac, 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 tac. Lui, ok. Bam, 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 bam. Parfait. Merde. Bottom right, bottom left, top right. Ok, donc lui, il doit être bottom right. Donc. Ok, parfait. Presque. Ah, ok. On est revenu à l'état initial, donc j'ai fait ce truc là, ce coin, et j'ai fait les centres du deuxième étage, on va dire, et il faut que je mette les arêtes du deuxième étage. Mais les arêtes du deuxième étage, la formule est très chiante, j'arrive pas à comprendre la formule. C'est soit je fais la formule bien, soit je détruis tout en faisant la formule. Du coup, voilà. Let's go, j'ai mis 2 arêtes. J'ai capté l'algo. J'ai capté l'algo sauf la fin, mais ça devrait être bon, je pense. Cette pièce, elle est tombée je ne sais combien de fois. Alors, j'en étais où? On y est presque. Il y a déjà un petit semblant de carré là. Allez. That is amazing. And now we have to do the very last one, okay? Ok, donc lui il doit aller là. Up inverted. Ok. Dernière arête.
Let's go. Yes. Ok. Après genre 3 heures, j'ai fait ce gros bloc ici. Donc j'ai fait la croix, j'ai mis les coins et j'ai mis les arêtes. Donc j'ai fait le premier étage et j'ai fait le deuxième étage. Et il me reste le dernier étage ici. Je sais pas à quelle heure j'ai commencé, mais la story que j'ai postée sur Instagram, ça fait depuis 3 heures qu'elle est en ligne. Donc ça fait un peu plus de 3 heures que j'y suis. Ouf. Et je pense que le dernier étage, c'est genre des OLL et PLL. Mais il faudra pas louper. Alors, en soi, je l'ai presque fini, mais mon souci, c'est que j'ai deux pièces là, et cette pièce-là, elle doit aller là. Cette pièce-là, en fait, c'est un triangle que j'ai... je me suis trompée. En fait, ce triangle ici, là, que j'ai commencé quand j'ai fait ma première face, j'ai mis le mauvais triangle, parce qu'ils se ressemblent, en fait. Et j'ai juste mis les mauvais triangles et je dois switcher les deux, mais je sais pas comment. Donc je vais regarder la fin du tutoriel, parce que je me rappelle au début du tutoriel, il disait « Faites gaffe, si vous mettez le mauvais triangle, il se peut qu'à la fin, il faudra faire une parité, je sais pas quoi. » Donc voilà, je vais voir. Ouais, il est ok, je crois. You can see this corner piece. Ouais. Mais du coup, là, il faut que je refasse lui. Donc, lui. Je crois qu'il va là. Non. Donc, j'ai remis le triangle où il était. Tac. Alors, ok, parfait. Putain, la pièce de merde. Ok, alors. Ah, lui, il est pas bon. Attends. Ok, j'ai bientôt fini. On le voit, c'est vraiment... c'est revenu en forme de carré. Et en fait, j'ai juste à retourner cette pièce-là et retourner cette pièce-là. Yes. Ok, allez, on le remet correctement. Let's go. Je l'ai fini. Il est résolu. Et il est complètement résolu. Comment il est beau. Après 4 heures voire plus, je ne sais pas, il est 19h53. Je sais pas à quelle heure j'ai commencé vers genre avant 16h. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Ah là là. Et ça m'a pris 4 heures pour le résoudre avec un tutoriel. Merci James Broski. Je mettrai le tutoriel en description. C'est en anglais, mais c'est super bien expliqué. En fait, en soi, c'est facile de le résoudre, c'est la même méthode que le 3x3. C'est juste qu'il faut savoir comment le tourner et savoir repérer les bonnes pièces. En soi, je pense que oui, si quelqu'un me le mélange, je pourrais le résoudre. Du coup, un peu plus de 4 heures pour pouvoir résoudre ce Ghost Cube. Comme quoi, il faut de la patience et il faut persévérer.